dormais une. Il est où? Je dormais une, il est où? Il est pas là, y'a personne ici. Écoute Rémi, j'ai une copine qui m'a dit qu'elle l'avait vu sortir de boîte avec une fille et je l'ai géolocalisée ici. Alors t'arrêtes de te foutre de ma gueule maintenant. Les gens sont fourbes. Les gens sont fourbes. Quoi? T'as une amie qui l'a vu sortir de boîte avec une oui fille. Oui. Mais il avait pas de trompe avec sa cousine. Enfin Margot. Sa cousine? Oui. Quelle cousine? Sa cousine suicidaire. Quoi? Mais quelle cousine? Elle veut tout le temps se suicider l'autre. Alors du coup il a été la chercher en boîte. Il a été chercher en boîte pour la ramener chez elle et pour prendre soin d'elle. Mais là, il y a eu une minute d'inattention. Elle a été dans la salle de bain, elle a profité. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est pendue. Quoi? Ouais, elle s'est pendue avec le pommeau de la douche. Mais il est où là? Je suis là, mon gars. Ouais. Non, il t'a pas menti. Ouais, elle est morte. Elle est morte dans mes bras. Alors oui, oui, je t'ai menti. Ouais, j'étais pas chez mes parents hier soir. Parce que j'étais avec elle. Pour elle. Ma pauvre petite Muriel. Non, mais faut appeler les pompiers, là. Non, 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 non. Mais pourquoi elle s'est suicidée? La drogue? Non, elle était nymphomane. C'était une nymphomane. Hein? Ouais. Ouais, mais c'est surtout la drogue. Quoi? Non, mais moi je vais appeler les pompiers, la Pierre. Elle aurait pas voulu ça. Margot! Hein? Mais t'es complètement malade ou quoi? Tu vas sommer tout le monde avec ta poêle comme ça? Pourquoi pas? Merde! T'es qui toi? C'est bon, tout est réglé. On la prend, l'autre con, et elle, on les fout dans la bagnole comme un millefeuille. On les emplit. Amène-la dans le salon. Margot. Tiens mon amour, tout va bien. Mets un peu de glace, t'as fait une mauvaise chute. On est où là? Eh ben on est chez ma cousine. Hein? Quelle cousine? Sa cousine, on t'a expliqué il y a 10 minutes. Écoute, il faut que t'ailles emballer le cadeau dans la salle de bain. Quoi? Le cadeau? Quel cadeau, Pierre? T'as fait un petit cadeau. Hein? Le cadeau dans la salle de bain, il faut l'emballer. Pour qu'on puisse s'en débarrasser sans le donner. La poêle? Le cadeau. Rémi, le cadeau dans la salle de bain. Pierre, tu m'expliques, je comprends rien là. Je vais tout expliquer, mon amour. C'est très simple. Qu'est-ce que... Rémi, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le truc? Pierre? Tout va bien. Pierre, on est où? Mais on est chez ma cousine. Hein? T'as fait une mauvaise chute. Une mauvaise chute? Oui. Pierre. Oui. Je t'aime. Moi aussi je t'aime. Mais là tu te fous de ma gueule. Non. Qu'est-ce qui se passe? Oh. Ouais, là, grosse chute. Oh, mais arrête de te foutre de ma gueule, il y a un problème là. Qu'est-ce qui se passe? Hein? Tout va bien. Qu'est-ce que c'est? Eh ben c'est Rémi. Rémi qui est... Ah mais oui, je me souviens, c'est lui qui m'a assommé avec son putain de poil. Ah putain Rémi, je vais le défoncer. C'est pas une bonne idée ça. Pierre! Aide-moi, Pierre! Pierre!